I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What's tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Parenthèse en fait, à propos de mon projet, je tenais aussi à remercier, je risque de le faire pendant quelques vidéos où je vais vous en parler un petit peu, à propos de la première course de drone à Lyon. Donc je mettrai aussi comme d'habitude dans la description le lien de la vidéo que vous pouvez checker. Et si vous voulez partager ou mettre un petit j'aime, bah franchement c'est cool, voilà c'est super. Et si tu veux pas mettre de j'aime, et bah tu mets pas de j'aime. Mais si tu visites la vidéo, c'est super, parce que c'est super. Voilà, projet drone, course à Lyon, c'est bien. Et aujourd'hui, on va parler des constructeurs japonais de Sony et à propos de ce nouveau casque. Vous avez peut-être pas dû en entendre parler tout de suite là maintenant. Et bah écoute, là je t'en parle actuellement. Et bien un casque qui va s'appeler Platinum, d'ailleurs qui va être en vente à partir de janvier 2017 normalement, si tout se passe bien. En fait, c'est en gros un casque qui permet de transmettre un système audio en 3D entre guillemets, c'est-à-dire un 7.1 qui donc le prix sera en gros 279,99€, 480€. Moi j'ai une chose à dire avant, c'est que l'ancien casque, enfin celui qui est pour l'instant dans les boutiques et tout, le casque de Sony proposé, c'est qu'il est déjà super bien. Franchement, ce casque là, il est tip top, il est pas forcément très très cher, et même en termes de critiques et tout sur le web, franchement, c'est plutôt positif à propos de ce casque-là qui est actuellement en vente, le casque de Sony. Et donc ça, c'est un assez bon point positif parce que ça peut donner envie aussi d'acheter ce futur casque. Je tenais aussi à préciser, ça peut paraître un peu relou, mais quand on va dire que tu as un casque ou peu importe la marque, peu importe ce que c'est, que tu as du 7.1 dans un casque, ça ne sera jamais aussi bon qu'un vrai 7.1 avec des belles grosses enceintes et ta belle ampli. Voilà, je tenais juste à le préciser, c'est important parce que... même s'il y a des très bons casques, mais alors les très très bons casques qui diffusent du 7.1, c'est 10 000€ le casque, 15-20 000€, il faut regarder les prix, mais c'est super cher. Et que dans 180€, forcément, ça sera pas non plus du vrai 7.1, en fait, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, il me fait penser un peu au SteelSeries, au casque SteelSeries, puisqu'il y a un double arceau, en fait, dessus. Et c'est assez joli, et puis en fait en gros ça permet de porter un peu le casque un peu plus longtemps sans forcément avoir mal ou avoir des petites douleurs à certains endroits. En gros tu peux aussi le plier, bien sûr c'est un casque sans fil. Il y a quand même une batterie avec une puissance, une autonomie de 760 mAh, donc ça c'est plutôt bien. Bien sûr aussi tu as la présence d'un câble pour qu'il puisse se connecter en fait la PlayStation Virtual Reality, donc à la PSVR. Quelque chose d'autre aussi de très intéressant et de très important, c'est que là en gros si tu veux acheter ce casque là c'est bien, mais il faut savoir aussi qu'il faut que les développeurs développent leur jeu pour que l'audio en gros ça coûte un peu plus cher aux développeurs forcément, pour qu'ils puissent diffuser entre guillemets du son en 3D. Parce que si toi tu mets ton casque comme ça et tu dis ouais je vais avoir du son en 3D et tout, et que finalement eh bien la source n'est pas en 3D, n'est pas conforme voilà à la normalité 3D, bah en fait en gros ça a pas marché forcément, parce que toi t'as ton casque de 3D, mais si ton jeu il a pas été développé en 3D, en gros le son ça ne marchera pas. Donc en gros tu vas juste entendre du son, mais pas dans les meilleures qualités que ton casque peut produire. En tout cas, pensez vraiment, même s'il y a plein de gens qui risquent d'acheter le casque tout de suite, c'est peut-être mieux d'attendre un petit peu pour voir les jeux qui vont, quels jeux vont être développés pour produire du son en 3D en 7.1, pour voir un peu les compatibilités, et puis après pour voir si ça vaut vraiment vraiment le coup de changer ton casque. Peut-être que tu utilises un autre casque, ou peut-être que tu utilises actuellement le casque de Sony. Donc peut-être que ça sera mieux d'attendre un petit peu. Enfin ça c'est mon conseil, c'est le conseil de Christophe. Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi. Regardez un peu la vidéo que je mettrai dans la description à propos de mon projet première course de drone à Lyon, qui peut vous plaire ou qui ne peut pas vous... qui ne peut ne pas vous plaire. Puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.